Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 5 décembre 2023 qui sera consacrée à Gustave Moreau. Nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ouais, salut à tous. Voilà, une exposition au musée Gustave Moreau, le Moyen-Âge retrouvé, dont nous allons développer tout à l'heure les détails. Et pour l'instant, vous pouvez nous mettre un petit mail artracaille@orange.fr.
Voilà, une chanson qui nous fait toujours plein d'émotions, la chorale Rissala, une chorale d'enfants qui chante Gaza. La guerre des abrutis congénitaux. Il lutte Hitler. Aujourd'hui vit sur un bout de terre colonisé en Palestine une sorte d'espèce de trou du cul qui se prend pour le fils putatif de l'auteur de Mein Kampf. Un scoop ? Pas vraiment. Ce petit bonhomme s'est mis dans le chou d'éradiquer les habitants historiques de la terre de Palestine, descendants des Juifs de l'Antiquité, christianisés par les croisés, islamisés par les Arabes, et aujourd'hui tués par des mecs un peu zinzins, venus en prom d'Allemagne vers la fin du XIXe siècle, avec dans l'idée, si on peut qualifier leur projet d'idée, de créer une patrie pour les Juifs, un lieu qui les protège des saloperies criminelles des chrétiens européens. Cela peut se concevoir, mais dans un lieu inhabité, pas sur la terre convoitée, qu'ils prétendent être leur héritage divin. Alors on se dit qu'une terre sans homme pour un peuple sans terre, ça peut faire passer la pilule, et elle passe, et ils volent sans vergogne ce soi-disant désert humain. Je simplifie. Enfin, pas tant que ça. Le remplacement a pris, aujourd'hui, un train d'enfer, en larguant des chapelets de bombes sur le petit territoire de Gaza, en spoliant frénétiquement les paysans de Cisjordanie à coups de fusil ou de barre de fer, sans oublier toute la gamme des sévices intermédiaires, comme le viol, la destruction des maisons, l'arrachage des oliviers. La liste n'a pas de fin. L'homme en ces matières déborde d'imagination. La barbarie sioniste n'a rien de nouveau sous le ciel de ce pays du livre. Un livre de paix qui sème à grand geste de semeur, livret de la désolation, de la mort et du génocide. Le capitaine d'industrie de cette usine de mort qui compte des victimes par milliers, hommes, femmes, enfants et vieillards, se prétend en état de légitime défense face à l'agression de la résistance palestinienne. Il oublie bien sûr que ses potes d'hier et d'aujourd'hui massacrent à tour de bras les Palestiniens depuis 1948. De surcroît, un colonisateur ne peut, selon le droit international, arguer de la légitime défense face à la résistance armée de ses colonisés, mais au contraire, assistance médicale, alimentaire, l'eau, l'électricité, les soins hospitaliers, j'en passe, il y en a toute une liste. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, hurle en chorale guerrière la horde sauvage sioniste. Ce ne sont pas des humains qu'on vitrifie sous les bombes, mais des animaux à l'aspect humain. Nuance. Qu'on se le dise chez les pleureuses des défenseurs bien-pensants de la paix. On se bat des manifs qui défilent dans toutes les démocraties du monde, d'ailleurs, que les peuples manifestent, rien à battre, tant que les dirigeants restent au chaud, indifférents, souvent même complices de cet arnaque mortifère. Que le citoyen Netanyahu, disciple zélé de Belzébuth, Astaroth et compagnie, poursuive son œuvre pour la présenter à un prochain salon de l'armement d'ici, ou d'ailleurs, quelque chose de cet ordre, un salon de l'armement, quoi. Oui, ça existe, ce genre d'exhibition qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette, et la suite, encore plus pittoresque. Que du boulinge pour traiter des affaires très très louches. D'ailleurs, il n'y a que le boulinge pour ces trafics très très louches. Allez les amanches, debout là-dedans. Il est temps de bondir et de patafioler les gueules de traviole de ces guerriers à deux balles qui nous pourrissent la vie. Il se dit qu'on n'en a qu'une, alors essayons de la garder à l'écart de la camarde. Aisselle pas mort. Et hier, à la manif pour la Palestine, Méluche a bien vociféré. Pas un homme politique français qui lui arrive à la hauteur du gosier pour causer à la foule. À l'écouter, on comprend mieux pourquoi les frileux ne l'aiment pas. Non, je n'ai pas d'idole, mais je peux apprécier un beau moment
une belle parole et la présence dans la foule de cet avocat franco-palestinien, Salah Hamouri, à côté, avec son épouse et ses deux enfants. Après plus de 10 ans dans les geôles coloniales israéliennes, il semble tenir la forme. Une belle manif et vive la vie! Ouais, c'est vrai que on peut penser ce qu'on veut de Mélenchon. Effectivement, t'as raison, on n'a pas besoin d'idole, mais son discours était quand même solennel et ça fait quand même du bien d'entendre les choses appelées par leur nom, les crimes appelés par leur nom. Et donc Salah Hamouri a pris la parole aussi juste avant lui. Et c'est vrai que nous, quand on a comme beaucoup suivi son passé de prisonnier palestinien, qui au total, lui, a dû faire 10 ans, dont une fois 7 ans d'un coup, avec des reconductions à chaque fois de 6 mois en 6 mois. Quand on sait comment sont traités les prisonniers palestiniens, de voir cet homme prendre la parole et après de le voir juste devant nous dans la manif, bon, on sent qu'il a, il a pris des coups. Hein. C'est physiquement, on voit bien que c'est un homme qui a été meurtri. Mais après, il rigolait, il était avec un ami et de le voir sourire, moi, j'avoue que ça m'a fait quand même énormément de bien. Ouais. Voilà. Et on peut préciser qu'il y a Ashka qui a chanté aussi 3 chansons. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est là, qui est dans les manifestations justement de soutien, que ce soit avant quand c'est des manifs importantes parisiennes. Il a chanté à Angers il y a pas longtemps justement avec l'association Al-Kamandjati, qui est une association de musiciens au départ qui est née en Palestine justement d'un jeune homme qui avait fait la deuxième intifada et puis qui a appris la musique et qui a monté une école à Angers, qui a aussi monté des écoles en Palestine. Et donc Ashka était présent à ce concert aussi de soutien. Il y a une prise de parole de la FPS, donc tout ça c'était des paroles de la CGT. Bon, après la CGT, moi je suis moins après quand ils parlent sur des histoires où ils disent qu'il faut 2 États machin, nous on n'est pas là-dedans. J'ai eu l'occasion d'être à une soirée à Libertalia, là ce sont des éditeurs et des libraires qui sont à côté de chez moi à Montreuil, avec Alain Grèche et la jeune illustratrice qui a travaillé avec lui, Hélène. Et en fait, Alain Grèche, justement, à une question d'un quelqu'un qui était présent à cette soirée, parlait d'un État, 2 États, et il dit, écoutez, nous, on peut que soutenir la lutte d'un peuple pour son autodétermination, mais c'est vraiment pas à nous de savoir comment après ils doivent s'organiser. Donc voilà, et ça, je trouve que c'était une parole intéressante. Quoi. Oui, c'est pas à nous de dire 1, 2, 3, 4, 5 États. Nous, on n'est pas palestiniens, on n'est pas occupés, on ne reçoit pas des bombes sur la gueule. Nous, on ne peut que soutenir le peuple palestinien dans sa juste lutte pour la liberté. Point. Voilà. On n'a pas à émettre d'opinion sur leur avenir, etc., 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 comme tous les radoteurs qui sévissent sur toutes les antennes de télé et de radio. Donc oui, cette soirée Libertalia, le livre s'appelle Un chant d'amour, c'est Hélène Aldeguer et Alain Grèche. Donc Hélène Aldeguer est illustratrice, elle a travaillé donc avec Alain Grèche qui lui connaît depuis de nombreuses années tout ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, en particulier en Israël et en Palestine. Et donc c'est un livre qui ça s'appelle donc Israël-Palestine, une histoire française, qui revient sur la diplomatie française et qui a une vocation plutôt didactique pour les plus jeunes générations qui n'ont pas du tout suivi ce qui s'est passé depuis le début du XXe siècle, en fait. Donc c'est un livre qui sera à offrir à des gens qui ont envie de s'informer. Les illustrations d'Hélène sont, il y a peu de couleurs, justement. Il y a du bleu, du noir, du rouge, du vert, pour rappeler les couleurs de la France, de la Palestine et d'Israël. Donc elle travaillait sur ce que lui racontait Alain. Donc il explique que lui, il écrivait, enfin il n'est pas scénariste, mais il lui racontait et elle travaillait la nuit, et comme ça ils ont fait ensemble ce livre qui est un bel ouvrage, qui avait été édité une première fois et là que Libertalia vient de rééditer. Quoi. Si elle travaillait la nuit? Elle travaillait la nuit, bah oui, c'est ça. Des fois les graphistes et les illustrateurs, ils peuvent travailler quand ils ont l'inspiration, quand ils ont le temps. Et Alain Grèche donc a été un des fondateurs, j'ai appris ça, de l'AFPS, Association France-Palestine, Solidarité. Il a été longtemps directeur du Monde diplomatique et là il a fondé le média Orient 21. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, comme il dit, je suis dans cette histoire 24 heures sur 24 et moi-même par moment il y a des choses que je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de l'entendre. Il parle calmement, il explique les choses. Donc, je pense que ce livre est vraiment un ouvrage à faire circuler.
Voilà, et pour donc continuer un petit peu sur Israël-Palestine, il y a le Monde diplomatique du mois de décembre qui a de bons articles aussi sur, sur Gaza. Il y a Shlomo Sand qui a écrit Le vieux rêve d'un État binational. Voilà, il y a 5-6 articles. Il y a Anne-Cécile Robert, Feu sur le droit de la guerre. Il y a Sophie Bessis, Peur croisée, instrumentalisation de la mémoire. Pierre Rimbert à Berlin, La politique du pire au nom du bien. Voilà, donc le Monde diplomatique est quand même un journal qui a des articles de fond, et c'est pareil, qui restent toujours très documentés. Il y a aussi eu des articles sur Libération que je pourrais peut-être mettre en lien justement sur la diplomatie française avec Macron qui part en one-man show tout seul, décrié par le Quai d'Orsay, et que finalement maintenant les diplomates quand même osent dire que ça va pas du tout, quoi. Il se permet d'annoncer des choses tout seul sans avoir en fait les dossiers. Et ça, Alain Grèche disait qu'il y a de nombreux élus qui même aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire, et finalement il faudrait leur faire des formations. Il dit qu'une demi-journée de formation leur permettrait quand même d'appréhender quand même nettement mieux ce conflit avec les faits historiques, quoi. Donc voilà pour Israël la Palestine. Sinon, on a toujours tout un tas de documents sur le nombre de morts, mais ça c'est tellement difficile à chaque fois à recevoir. Si, ce qui se passe aussi, c'est que donc les bombardements ont repris, et que les Israéliens en fait depuis les avions lancent des petits papiers avec des QR codes où ils ont découpé les zones de Gaza en petites zones bien définies, et en fait en scannant sur ces QR codes, les habitants peuvent savoir les zones qui vont être bombardées. Alors là, je trouve qu'on dépasse quand même complètement le... je ne sais même pas quel nom je peux dire, parce qu'en fait, on sait que les habitants de Gaza déjà ont du mal à se nourrir, à se vêtir, à boire, n'ont pas accès à l'énergie. Donc je ne vois pas comment ils pourraient recharger des téléphones qui leur permettent de scanner les zones qui vont être bombardées. Là, j'ai trouvé ça, mais complètement... C'est un cynisme. Ah ouais, c'est le mot. C'est vraiment du cynisme, quoi. Mmh. Voilà, donc on voit, il y a des cartes avec toutes les petites zones. Enfin, et là, quand on voit qu'ils vont bombarder le sud, parce que, par exemple, maintenant, les gens du Hamas seraient seraient au sud. Enfin, puis après, ils seront à l'ouest, puis après, ils seront à l'est, puis après, ils seront sous l'eau, dans la Méditerranée. Voilà. Et qu'on sait très bien qu'on a su que, par exemple, les images qu'ils avaient montrées de l'hôpital où ils avaient soi-disant retrouvé des armes, ces images ont été étudiées, et en fait, on a vu que c'était un montage, qu'en regardant, quelqu'un a vu qu'il y avait une de montre, enfin que c'était complètement un montage vidéo, donc que ces armes n'avaient jamais été dans l'hôpital, quoi. Bien sûr, quand on connaît les méthodes de l'État soi-disant israélien, on n'est pas étonné que quelques jours après des annonces comme ça, on découvre que c'est pas vrai, etc. Ils ont une capacité à trafiquer les infos qui est invraisemblable, quoi. Et là, justement, Alain Grèche nous montrait une planche du livre où déjà en 67, quand il y a eu la guerre, François avait titré « L'Égypte attaque Israël », alors que c'était pas l'Égypte qui attaquait Israël. Ben non, la guerre des six jours, c'est Israël qui a attaqué en premier, il n'a pas été attaqué et il n'a pas répondu à une attaque. Mais non, mais c'est permanent chez eux depuis 1948, ils n'arrêtent pas de faire croire que oui, on peut discuter avec les Palestiniens, mais que ce soit la gauche, la droite ou l'ultra-droite israélienne, ils sont tous sur la même ligne. Ils sont toujours colonisés, que ce soit des gouvernements soi-disant de gauche ou de droite. Ouais. Ça, c'est un truc permanent. Et là, il y a un article qui est sorti, c'est pareil, dans le New York Times, qui dit qu'en fait, Israël avait eu les plans d'attaque du Hamas déjà depuis un an. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Et une soldate israélienne avait aussi sonné l'alerte en voyant des mouvements à la frontière. Donc, la question reste ouverte. Incapacité des services secrets ou laisser faire pour avoir un prétexte à bombarder. Enfin, voilà. La question est ouverte. C'est la deuxième hypothèse qui est la plus vraisemblable, tu vois. C'est pas la première fois qu'ils font des coups tordus pareils. Mais on sait qu'ils ont tiré sur leur population civile quand les Apaches sont allés pour à l'heure de l'attaque du 7 octobre. Enfin voilà, ils ont tiré. Mais tout est con, tout est. Oui, enfin, on va encore passer pour des espèces de fanatiques, je sais pourquoi, mais la réalité, là, encore une fois, dans ce conflit, dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Ouais. C'est un bon polar, voilà, un bon thriller. Ouais, un sauf bon qu'il y a beaucoup de morts. Il y a quand même beaucoup trop de morts. Hein. Ouais, mais oui, ça, par contre, oui, ça c'est vérifiable. Mais tout ce que raconte l'armée coloniale israélienne, c'est pas du tout vérifiable. Et c'est pareil, quand on parlait l'autre fois des réservistes, j'avais oublié de souligner que le fils de Netanyahou, lui, vit depuis un an en Floride et qu'il n'est pas revenu défendre son pays. Il se garde bien de venir comme réserviste. Et que ses meilleurs amis restent le fils de Bolsonaro, enfin voilà, tous les pires libéraux qui puissent exister, quoi. Voilà. Alors, et dans l'actualité plus générale, je suis allée sur le site de là-bas si j'y suis, et là il y avait une petite vidéo, ce Cahuzac, le retour de Cahuzac validé par France Inter, parce qu'il est invité sur France Inter. Et alors là, je trouve que c'est inadmissible, parce que c'est quand même quelqu'un qui est là, qui se pose et qui dit qu'il a purgé sa peine, enfin voilà. Et donc il est invité sur France Inter, soi-disant qu'il a fait son compte, 2 ans de prison ferme. Enfin, il avait un bracelet électronique, donc il a quand même pas été dans les geôles françaises. Et il se permet en plus de parler de morale. Voilà, où se situe la morale? Il cite Kant, enfin, et je dis, mais je rêve complètement. Il a un aplomb, et j'espère que personne ne va à nouveau lui faire confiance, parce que c'est quand même quelqu'un qui devait. Dominique, mais reviens sur terre. Il devait quand même lutter contre la faute fiscale en disant droit dans les yeux que lui n'a pas de compte en Suisse et qu'il a complètement menti. Alors il dit que oui, qu'il a menti, mais que quand on parle de la morale, où situe la morale, les mensonges. Enfin, je regardais ça, je me dis, mais je rêve complètement. Et France Inter valide ça. C'est-à-dire que j'ai pas entendu son intervieweuse beaucoup le mettre en porte-à-faux, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut aussi rappeler qu'il avait gagné beaucoup d'argent quand il avait sa clinique où il faisait des implants du cuir chevelu, que c'est un docteur, donc il a été aussi grand conseiller des labos, donc c'est de là aussi bien sa fortune, qu'il a savamment donc esquivé le fisc et l'URSSAF, donc voilà, c'est, et que Hollande suite à ça avait fait un beau discours où il fallait absolument régulariser cette fraude fiscale qui à l'époque était entre 60 et 80 milliards, et naturellement on sait que depuis rien n'a bougé puisqu'elle est entre 80 et 100 milliards, donc voilà, Hollande qui avait comme ennemi la finance, enfin, donc on est toujours dans ces mêmes cinémas, mais enfin c'est quand même assez désespérant. Quelque chose d'un peu, on va dire aussi plus rigolo si on veut, c'est que le Jeff Bezos, qui a aussi des yeux plus gros que le ventre, s'est fait construire un yacht, et en fait il a voulu tellement faire un yacht plus grand que les autres que son yacht, en fait, qui fait 127 mètres de long, ne peut pas rentrer dans les trois quarts des ports. Donc ça, non, il peut rentrer nulle part. Ça, je trouve ça. Non. À moins d'aller dans un port de guerre, quoi, où il y a des porte-avions, mais à part ça, non. Chose hallucinante, quoi. Non, oui. Mais... Alors, savoir que son yacht, je ne sais plus combien il a coûté, mais qui lui coûte quand même 125 500 euros de frais par jour. Hein. Par jour. Par jour. Et ses employés sont sous-payés, travaillent comme des bêtes et tout, voilà. Non, mais ces mecs-là, ils existent, ils vivent, ils respirent notre air. Hein ? Voilà. Que dans les choses qui énervent un peu, beaucoup, énormément, il y a une nouvelle définition du viol qui est à l'étude à l'Union européenne et que M. Macron refuse que le non-consentement fasse partie de la définition. Donc ce Macron qui se permet de dire qu'il va lutter contre les violences faites aux femmes, qu'il ne file pas un euro pour que les femmes puissent quitter les lieux dans lesquels elles sont en danger pour être dans des lieux d'accueil, et qui là va se permettre de refuser le non-consentement dans la définition du viol, c'est un peu beaucoup trop pour moi. Oui, ça, je me doute que c'est un peu beaucoup trop pour toi, mais il ne faut pas s'étonner non plus que cette espèce de... Moi, je ne sais pas si c'est vraiment un être humain ou si une machine. Voilà, il ressemble vraiment à un robot. Et un robot, normalement, ça n'a pas vraiment un cœur, ça n'a pas vraiment des sentiments, ça... Voilà. Ça marche comme un computer, quoi. Ouais, sauf que des fois, on les programme, mais que là, visiblement, il y a eu des gros bugs de programmation. Ou alors, c'est Bernard Arnault et la finance qui l'ont programmé, mais vraiment, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains,
partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin. Je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Bourneval. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde, pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Thank you.
Indignez-vous, HK.